Laetitia Hallyday explique aborder l'année 2019 avec beaucoup de paix et de sérénité dans un message publié sur Instagram samedi. Point absente des réseaux sociaux durant presque un an, Laetitia Hallyday y a fait son retour le 18 octobre dernier pour la promotion de l'album posthume de Johnny Hallyday. Elle a depuis communiqué par ce biais à deux reprises. Le 25 décembre dernier depuis le Vietnam, pays natal de ses deux filles Joy et Jade, où la veuve du rocker et leurs enfants ont passé les fêtes de fin d'année. Samedi, elle a publié un nouveau cliché où on la voit prendre la pose avec ses filles sur le parvis de l'église Tanzina Ho Chi Minh Ville. Ce cliché est accompagné d'un message dans lequel elle dresse le bilan de 2018 et ses vœux pour 2019. Elle remercie d'abord du fond du cœur ceux qui l'ont aidée à surmonter la mort de celui qui était ce qu'elle avait été de plus cher au monde. Je n'ai pas sombré grâce à l'amour de mes filles et de mes proches, et grâce au vôtre, grâce à votre amitié qui n'a jamais failli, grâce à vos témoignages qui m'ont toujours nourri, affirme-t-elle. Un vœu de paix et sérénité. La maman de 43 ans débute 2019 avec une question douloureuse. Est-il possible de faire un jour le deuil de celui qui était mon double, ma raison de vivre, ma bataille et une promesse pour des lendemains que j'imaginais encore si nombreux? J'ai peine à le croire tant mon homme me manque encore à chaque instant. Malgré ses doutes, Laetitia Hallyday explique aborder cette nouvelle année avec beaucoup de paix et de sérénité, certaine de pouvoir apprivoiser le vide laissé par le taulier dans sa vie. Même si elle est engagée dans une bataille judiciaire contre Laura Smet et David Hallyday pour l'héritage de l'interprète de Que je t'aime, elle veut faire une place dans sa nouvelle vie au pardon pour trouver la paix. Je veux être à la hauteur de notre vie ensemble, je veux être une maman digne et protéger mes amours comme il nous protégeait lui-même, je veux être une femme courageuse comme lui l'a été jusque dans ses derniers moments. Il en sera si fier.